histoire d'amour. Ali le Vardar, c'est bon. Vardar, pardon, bonsoir. Ali le Vardar. Ali le Vardar, bonsoir. Je me présente, moi c'est Anema. Dans le jargon du code de la route, hein, on pourrait dire que je suis une sorte de Dodan, hein, de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais, hein, que je me sens un peu comme une harpe, hein, qu'on aurait offerte à un lépreux. Hein, que du coup, évidemment, personne ne fait jamais couiner, hein, ce qui est un peu dommage. Hein, bref, je suis célibataire, hein, sache comme un vieux psoriasis et ravi, hein, de vous rendre. Et d'autant, mais oui, je sais. Et d'autant plus ravi, hein, que même si physiquement, hein, du fait de ce petit ascendant voleur de poules, hein, que vous dites aussi bien vos origines albanaises, hein, que votre regard, hein, mi perdu, mi pervers, et bien, vous êtes du coup, hein, une sorte de mix, hein, entre la version jeune, hein, de cet animateur télé, hein, aussi célèbre, hein, que désormais. Mais Asbin, hein, qui est le sympathique et imbibé Philippe Rizzoli. Ah oui. Et la version non bouboule, hein, de ce bon vieux Sacha Goller, hein, le petit brun dodu, hein, du groupe Début de Soirée, hein, dont Dieu merci, on n'a plus de nouvelles. Et bien, malgré ce coup bas, hein, que vous ont fait vos parents, hein, en renonçant catégoriquement à la contraception, et bien c'est quand même pas tous les jours, hein, qu'on a la chance, hein, de rencontrer un auteur et acteur belge de talent, hein, qui vient qu'ayant commencé l'humour à l'âge de 20 ans, hein, en jouant des sketchs dans des pizzerias, hein, puis dans des petits cafés-théâtres en Belgique, puis en France, hein, au sein du célèbre duo, hein, les Fous Alliés, hein, dont naturellement personne n'a jamais entendu parler. Eh bien, réussi l'exploit, hein, après avoir triomphé depuis 2003, hein, avec l'excellente pièce Le Clan des Divorcés, hein, vue par plus de 2 millions de spectateurs et récemment adaptée en série télé, hein, de rester un parfait inconnu. Hein, et c'est aussi bien sur Wikipédia, hein, que tout court, en fait. Hein, bref, des carences en matière de charisme. Aussi indéniable que... Bah, qu'étonnante, hein, pour un ça Belge. Hein. Étonnante, hein, pour un Belge. Un peuple avoué, pourtant habitué à faire la une des journaux. Hein, mais qui ne vous en, cela dit, pas empêché, hein, de faire des jaloux dans le milieu du théâtre, hein, en devenant une sorte de Rockefeller, hein, de proximité. Hein, puisque depuis 1994, hein, votre frère Aziz et vous-même, vous êtes lancés dans... C'est le seul compliment que vous aurez. Non. Je note. Hein, Rizzoli, Rockefeller de... C'est que des grands. C'est un copain, Rizzoli, alors, attendez. Puisque depuis 1994, je disais à votre frère Aziz et vous-même, hein, vous êtes lancés dans une sorte de partie de Monopoly géante, hein, en rachetant petit à petit une dizaine de théâtres, hein, en Belgique comme en France, dans le mythique Palace, hein, dont vous remboursez les traites chaque soir, hein, grâce aux recettes de votre dernière pièce intitulée 10 ans de mariage. Hein, une pièce formidable, hein, qui a la qualité, hein, d'être d'ores et déjà disponible en téléchargement illégal et dans laquelle, hein, vous incarnez Alec, un mari aussi volage que macho, hein, qui voit que le jour de ses 10 ans de mariage, hein, décide d'annoncer à sa femme, hein, qu'il souhaite divorcer. Une phrase, hein, aussi cruelle, hein, que libératrice, hein, que mieux que célibataire, hein, j'ai moi aussi souvent rêvé de prononcer, hein, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, hein, ayant passé une bonne partie de mon enfance chez mon pépé René, hein, qui avoue-le, hein, au mépris, hein, aussi bien de la morale, hein, que des risques de consanguinité. Hein. Et là, c'était toujours un fervent défenseur, hein, du mariage pour tous, et bien, et même tout ce fait, hein, je peux vous dire que moi aussi, j'ai souvent rêvé, hein, de pouvoir demander le divorce, hein, les nombreuses fois, hein, ou à l'occasion de mon anniversaire, hein, mon pépé René, hein, a pris un malin plaisir, hein, à venir planter sa bougie dans ma forêt noire. Si vous m'autorisez, cette métaphore un poil indigeste, j'en conviens. Et à propos, hein, de vouloir s'en foutre plein la pince, justement, sachez que si l'investisseur professionnel qui est en vous, hein, n'a pas peur, hein, de mettre ses billes, comme on dit, hein, dans une cave, hein, aussi humide, hein, que poussiéreuse, eh bien, et bonjour, autant vous dire, hein, que le théâtre abandonné de l'amour qui est en moi, hein, sera absolument ravi, hein, à l'idée de vous confier la clé, hein, de son entrée des artistes. Hein, si vous voulez, c'est ce que je veux. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, hein, sachez qu'après l'émission, eh bien, j'irai tenter ma chance en Angleterre, hein, où un facteur, hein, vient d'être condamné, hein, pour avoir ouvert puis détruit, hein, près de 30 000 lettres, hein, qu'il jugeait, hein, indésirables. Donc aussi comme moi, le colis non réclamé de l'amour qui était en vous. Donc je suis tellement, hein, celui de pouvoir enfin se faire dépouiller, comme on dit, eh bien, n'hésitez pas. Je ne manquerai pas. Bravo. 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 Bravo.
C'est une belle proposition. Hein. C'est joli parce que c'est drôle et c'est intelligent. Et c'est, j'avais pas le plaisir de vous connaître, mais c'est très sympa. J'aime beaucoup. Et c'est renseigné. Et c'est renseigné, c'est bien, vraiment, c'est très très sympa. Bravo. Merci. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur le Move.